Waouh, c'est là que je viens de redémarrer OBS et un enregistrement. Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Psy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, comme vous l'avez vu dans le titre, ça sert à rien de teaser, on se retrouve sur Brock Protocol. Je vais aller faire un tour, voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a comme serveur, est-ce qu'il y a encore des joueurs, est-ce qu'il y a encore du RP, enfin, il y a déjà eu du RP sur Brock Protocol? Bien sûr que oui. Donc les gars, on va regarder ce qui se passe. Et puis voilà quoi, hein. On va essayer de voir ce qui se passe. Mais bien sûr les gars, avant que la vidéo ne continue, n'hésite pas à lâcher ton like et à me dire dans les commentaires si tu joues ou pas toujours à Brock Protocol. Et puis voilà quoi. Voili voilou, j'ai à faire un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo, ne m'en voulez pas. Non, ne m'en voulez pas parce que de toute façon c'est gratuit et légal le contenu que je fais, donc faites-vous plaisir. Ok, bon, on est sur Brock Protocol, on va aller faire play online. Ok, est-ce qu'il y a des serveurs? Ok, il y a toujours des serveurs, difficulté 50%, ça joue, ok. Les ping, les joueurs, 0, 0, 8, 1, 0, 2, 0, 20, 27, ok, 0, Marseille RPV2, 14, ok. Premier Empire, 10, ok. English, on s'en fout, ok. Ok. Ok, bon, les gars, on va faire comme tout le monde, on va aller là où il y a le plus de joueurs, on va aller sur Chicago is back V2. Carrément, c'est la V2 de Chicago is back. On va aller voir tout ça, hein. Rejoindre serveur. Registre. Clark O'Neill. Eh, j'avais de la créativité à l'époque, hein. Ok, alors déjà, pourquoi on drop dans un hôpital? Pourquoi, sur ce jeu, on drop toujours dans un hôpital? Ah là là. Ah, c'est totalement RP, les gars. Je viens de me réveiller. Ça n'a pas changé. Déjà, c'est toujours le même jeu. Par contre, maintenant, il y a un... Vous le voyez là-bas, maintenant, il y a un putain de logo Brock Protocol. C'est bizarre, moi, je l'avais fait sur un des serveurs. Mais on est bloqué ou quoi? Non, on n'est pas bloqué, c'est bon. Ouf. Ok, c'est parti. C'est parti pour l'aventure de... Clark O'Neill. Ah putain, j'ai bresson. Déjà, il y a toujours cette fichue pluie, hein. Faut pas retirer cette pluie, genre. C'est horrible. Oh, y a du monde là-bas, y a du monde. Qu'est-ce qui se passe? Pipalapapilipou. Pipalapapalapapilipou. Ah ouais. Oh non, tu descends. Mais descends là. Ah bonjour monsieur. Mais descends. Pourquoi j'ai pris un accent? Y'a un bal? Y'a une sortie? Oh putain, c'est la course poursuite! Ah! Attention, mais vous êtes malade! Vous avez failli m'écraser! Mais il est fou! Ah, dites-moi à tout hasard, vous pouvez pas me déposer tout au nord, dans le nord? Dans le désir? Ah, vous avez pas de voiture? Oh là 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 là. Oh la catastrophe. Ah bah, je vais essayer de trouver mon chemin. Ah, attendez, y a la police. Excusez-moi, chef! À défaut de pas avoir de taxi qui répond de téléphone, y a possibilité de me poser très très haut dans le nord, dans le désert? Bah vous me donnez de l'argent, je vous le fais. Ah, bah écoutez, marché conclu. Regardez ce qu'il y a. Faites voir, qu'est-ce qu'il y a? Oh, oh lolo. Ah ouais, j'imagine, vous devez... Ah ouais, vous êtes véhicule prioritaire, quoi. C'est prioritaire, montez, 1000 dollars, je vous dépose. Ok, je monte. Vas-y, chef. Ah écoute, hein, les services publics ça paye pas a priori. Hein. Toi, espèce d'arnaqueur, que tu es, va. Voir. Oh, il a tapé sur votre véhicule, chef. Chopez-le. C'est un mécréant. Attrapez-le. Écoutez, putain. Désolé, je comprends pas, je parle qu'américain. Ça vous intéresse pas de rejoindre la police? Bah écoutez, avec grand plaisir. Mais ça tombe bien, je viens d'arriver dans la ville. Faites bien rire avec votre voix, c'est pour ça. Comment ça, je vais bien rire? Oh là là! Mais chef, j'ai pas envie d'aller en cellule, hein! Chef, tu... Oh là là! C'est bon, ça passe! Stop! Oh putain, vous avez failli toucher le mur! Mais de base, on devait déposer dans le nord, hein! Arrêtez de me prendre en photo, je reconnais, vous me prenez en photo là! Arrêtez de me prendre en photo! Candidature. Eh bah, je candidate. Il est candidat. Ah oui, je suis candidat. Vous l'avez pas vu mon dossier?
Encore une fois, c'est un dossier qui est en dessous de la pile, je le sais très bien, me le dites pas, vous avez pas vu mon dossier, il est tout en dessous de la pile, voilà, forcément. Ah, c'est vrai. Et là, c'est vrai. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il est malade. Un homme masqué qui tape un agent de police. En plus, c'était un rookie. Oh, toutes mes condoléances. Mais y'a pas un flic qui peut faire quelque chose dans cette ville? Ah, il s'appelle Dwayne. C'est pas un zoo ici, hein. Bah oui, c'est pas un zoo. Moi, j'attends pour ma candidature qui est en dessous de la pile. J'attends toujours qu'elle soit étudiée. Je la regarde. Là-bas, je pense qu'il a cru que c'était un zoo, monsieur masqué. Je suis un peu occupé là. Y'a tout qui part. C'est déjanté là ce soir. Aujourd'hui, ce soir-là, c'est déjanté dans la ville. Bah, je vois ça, regardez. La drogue, ça fait effet a priori sur ce monsieur. Oui. Regardez. Comment on marche? Moi j'appelle ça un état d'ivresse sur la voie publique, hein. Venez là. On marche. Retenez-le moi, je vais lui faire un drug test. Ah putain, et ma candidature? Oui. Vous pouvez venir s'il vous plaît? Ah là là. J'ai envie de vous parler de 2 secondes parce qu'en fait c'est un truc très urgent. Oh non. Pourquoi vous demandez à un cadet? Vous n'êtes qu'un simple cadet. Vous êtes quoi vous? Rien pour l'instant. Non, moi c'est Clay, enchanté. Et vous? Je mérite une balle. Oh putain. Oh putain, mais il est malade. Pour l'instant. Mais il est malade. Il est fou. Vous aussi, monsieur, vous êtes rien pour l'instant. Vous avez dit quoi? Vous m'énervez le coquillage là. Heureusement que c'est un coquillage, hein. Et plus précisément c'est un berlingot. Le crustacé quand même. C'est quoi, la crevette grise? Si vous voulez, moi je peux sortir le homard, hein, si vous voulez, hein. Vous voulez voir mon homard? Vous voulez vraiment voir mon homard? Vous êtes sérieux là? Oui. Sérieusement? Oui. Votre gars, ça va être rapide, hein. Hop là. Pourquoi on m'appelle? Oui, attendez, monsieur. Ouais, allô. On fait les dispatchs, attendez. Pourquoi vous m'appelez? C'est qui vous appelle? Mais je suis le policier. Ah, vous êtes le policier? Comment vous avez eu mon numéro? Je l'ai récupéré dans les dossiers. Ah, bien vu. Vous êtes un agent secret, c'est ça en fait? Vous êtes un infiltré. Et on vient vous voir après, attendez. Ok, j'attends. Je vais prendre un truc à la cafétéria. Attendez 20 minutes. Comment ça, 20 minutes? Encore vous? Allez, décidément, ce soir, on se quitte pas, hein. Monsieur, est-ce que vous pouvez revenir demain ou pas? Eh bah écoutez, attendez, je prends rendez-vous pour aller me faire foutre. Du coup, les gars, j'ai même pas exploré la map. Après, je pense que c'est une map comme tant de... en train, carrément. En vrai, je pense pas qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel, en tout cas, là, à voir. Ça fait plaisir de voir ce qui se passe. Qu'il y a toujours des serveurs, des... Bon, il a toujours ses petits défauts et c'est dans son charme, bref, voir la valeur. Gouvernement? Pas ici? Non, je pense que c'est de l'autre côté, le gouvernement, l'entrée. Ah, bonsoir. Ah oui, c'est à moi. Le carnet de la secrétaire. Hop, c'est à moi. Ma souris, que j'en ai plus. Plus, ça j'ai plus. Hop. Ouais, allô? Ouais, c'est bon, j'ai... ok, je rentre, c'est bon, je rentre. Oh putain, mais il se passe quoi dehors? C'est par où C'est juste à votre droite, monsieur. Au fond, à gauche.
Dans quoi je suis embraqué. Mais attendez, là, je suis arrivé dans quoi, là? Je pensais faire mon petit tour au gouvernement, je me retrouve pointé là. Arrêtez de me pointer. Ouais, il se passe quoi ici, là? Bah, je sais pas, qu'est-ce qui se passe, là? Tranquillement au gouvernement, je vois des hommes armés, là, qui rentrent, là. Vous êtes qui, vous? Un jugement. Ah, putain, vous avez été recruté par l'autre débile. Il y a un débile avec des lunettes de soleil qui recrute, c'est ça? Il a dit... Ah putain, il est là! Oh, toi, tu sors, là. Ah, ouais, attendez, j'ai un appel. Le bourré. Ouais, allô? Allô? Ouais, c'est qui? C'est le policier, ça dit de faire un vocal. Vous me dites quand tout est prêt, je ferai rentrer les. Vous êtes le policier, ça me dit de faire un vocal. Comment ça me dit de faire un vocal? Avocat. Ah, de faire un avocat? Mais avec plaisir! Écoutez, j'ai plusieurs casquettes. Vous êtes au courant de la tâche multicolore? Et bah, c'est moi. Rassurez-moi, il faut défendre les prisonniers, j'espère. Venez devant le gouvernement. Et vous ferez avocat. Ok, rentrez dans le gouvernement, vous. Rentrez dans le gouvernement. Non. Si, rentrez dans le gouvernement. Voilà, avancez tout droit, voilà. Voilà, enchanté, avocat Clay. Allez, tu te dépêches de sortir. Venez. Il est où mon dossier? Bah, je suis avocat. Oui, je suis l'avocat. Eh oui, exactement. Avocat Clay. Bah, attendez, on va procéder à une fouille quand même avant. Allez-y. Allez-y, contre le mur. Fouillez-moi. M'en voulez pas, j'ai pris mon matériel de travail. Monsieur, les menottes, là. Non, mais ça m'en fout. Mais c'est arrêté. Ça, c'est ma femme qui me les a offert. C'est ma femme qui me les a offert. Mais pourquoi vous me prenez ça? Mais c'est les menottes de ma femme. Oh, ils sont où, mes clients? Ah, ils sont là. Ok, parfait. Hop là. Alors, attendez d'abord. Attends. C'est l'avocat, vous allez bien? Mais... Ah écoutez, ça va nickel. C'est votre avocat, ça? Si, je suis l'avocat, si. Oh, alors là, me faites pas le dire le contraire. Vous travaillez votre carte? Attendez, je pose mon matériel ici. Voilà. Oh. Hop. Ah oui. Voilà. Je pose ma souris aussi. Voilà. Je mets ma petite lampe de torche parce que sinon je passe. C'est l'avocat, monsieur. C'est moi qui l'ai appelé pour les deux. Voilà. Parce qu'il voulait un avocat, j'ai appelé quelqu'un de la ville. D'accord. Bon, monsieur, tout ça là, vous en avez pas besoin. Hein. Ah, si, j'ai besoin de travailler. Alors là, vous me faites pas le dire le contraire, j'ai besoin de travailler. Hein. Voilà, c'est bon. Oh, vous avez fait quoi comme bêtise, vous deux là? Bah, tu sors. Ah, ouais, ils ont fait des bavures, ils t'ont tapé. Oui, on m'a tasé, on m'a frappé avec une matraque. Ah, seulement? Y'a pas le coup de couteau, ça va être compliqué de te défendre. Hein. Attendez 30 minutes! Attendez un tout petit peu! Je parle à mes clients, attendez un tout petit peu! Ok. Et toi, t'as fait quoi, toi? J'ai vendu des armes, j'ai fait. Bah, en fait, c'est moi qui vends les armes dans la ville. Ok, parfait. C'est bon! Bien! J'aimerais d'abord entendre les personnes qui ont engagé cette procédure, c'est-à-dire la police. Oui, maître. Donc, quels sont les faits relatés, monsieur? Donc, premièrement, pour le suspect Juan Guzman, il a été poursuivi et arrêté pour les faits suivants: possession d'armes de guerre, rassemblement illégal, délit de fuite, mise en danger de la vie d'autrui. Il y a eu plusieurs objets qui ont été saisis, faisant preuve de ce qu'il a pu faire, et ainsi on lui a perpétré une amende de 60 000 $. Merci, je vois également dans mon dossier de ce qui m'est parvenu qu'il aurait kidnappé et pris en otage le gouverneur, c'est exact? Ok. Je ne possède pas encore cette information, mais si vous la possédiez, eh ben j'en doute que oui. Tout à fait, oui. Je vous remercie, j'aimerais entendre maintenant la partie de la défense. Venez à la barre, s'il vous plaît. J'arrive à la barre. Bon, je vous écoute. Déjà, je vais défendre mon client, monsieur Juan Guzman. Il a une tête d'ange, hein, je comprends pas. Encore une fois, c'est un Guzman, toujours perquisité, toujours pareil. J'aimerais savoir, il avait quelle arme sur lui exactement? Parce que c'est bien beau de dire qu'il avait des armes, mais si c'est le couteau de mamie, ça va être compliqué. Il a été 74, un MAC-10, un PPK et un Kevlar. Ok. A-t-il fait usage de son arme à tout hasard?
Je n'ai pas eu cette information. Ah, ça s'est retiré du dessus déjà. Voilà. Vous avez vu, il y a encore des trucs qui traînent. Toujours les mêmes choses. Déjà, il a pas utilisé son arme. Ça commence bien. Et qui vous dit que ses armes lui appartiennent? Qui vous dit que c'est pas un individu qui est rentré chez lui et qui lui a déposé les armes? Hein? Ah! Attendez, je vois pas mon client. Décalez-vous. Ils ont sonné la sonnette. Attendez, je demande un instant, faut que je parle à mon client. Juan. Juan. Celui qui m'a fait. Mais celui qui m'a perquise, et bah il m'a fait ça, il m'a libéré de prison. Comment ça, il t'a libéré de prison? Il sait rien. Oui, je sais pas, il avait des lunettes, il était en black. Il m'a dit, vas-y, laisse acheter. Et c'est lui-même qui est rentré dans mon garage. Et je pense qu'il a mis les armes. Et voilà. Ah putain, attends, ok. Attendez, je constitue un petit truc là. Ok, parfait. Je laisse bientôt ma place là, c'est parfait. Bon, je viens d'avoir des nouvelles rebondissantes là dans ce dossier. Mon client a fait l'objet d'un état d'arrestation au sein de la prison. J'ai oublié le nom. Comment s'appelle la prison? A priori, il y a un individu des forces de l'ordre qui l'a libéré. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Et comme de par hasard, 24 heures après, mon client se tape une perquisition par ce même individu dans son garage. Ce qui est bizarre, c'est que mon collègue nie totalement être en possession de ses armes au moment de la perquisition qui lui appartiennent. Il reconnaît par contre avoir des armes. Mais par contre, celles-ci n'ont pas toujours pas été trouvées. Mais que les armes qui ont été trouvées, c'est pas les siennes. C'est totalement le lien qui a été donné par la part si accusée et incohérente. Attendez. Maître, avez-vous d'autres arguments à nous lâcher? Moi je négocie. 25 ans de prison ferme. Objection. Oui, j'écoute. Au début, ils ont sorti l'information comme quoi un officier de police avec une peau noire et des lunettes l'aurait libéré. Mais c'est des informations qui sont incomplètes et qui ne peuvent pas servir à décrire cette personne au sein de la CHPD. Je tiens compte donc alors que ces déclarations-là sont fausses. Objection! C'est pas possible! Comment il a pu entendre ça? Bien, je vous remercie, le tribunal va délibérer. On me fait un mandat d'arrêt sans l'autorisation du juge. Vraiment n'importe quoi. Toujours les mêmes. C'est pas battre. J'ai fini. Combien de fois c'est qu'ils sont partis délibérer avec les agents, hein? Sûr, c'est déjà fini là. Mais non, c'est pas fini. C'est la mi-temps. Et tu manges, t'es... Gros Big qui vient de commenter sur le... Wesh! Wesh! Tout le monde lève les mains, tout le monde! Oui, tout le monde! Vous aussi, monsieur, vous aussi! Oh putain! Ça vaut pour vous! Voilà! Ah ouais! Ah j'ai rien fait moi, hein! Non. Vous avez délibéré, c'est ça? Donne-moi une arme! Ils sont malades! Dans mon arme! Ah mais attendez, mon client m'a toujours pas payé. C'est quoi ton numéro? On se retrouve où? Je te paye. On se retrouve où? Y'a les gueules. Ah putain, j'ai été touché. Bougez pas. Je vois les étoiles. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, je vais être honnête avec vous, c'était une totale impro, je pense que c'était déjà pas prévu que j'arrive sur le jeu, encore moins que je fasse une vidéo. Du coup, ce que je vais faire, je vais essayer de remettre la main sur le serveur Discord de ce serveur, et puis on va leur faire une petite pub, parce qu'au final, ça s'est plutôt bien passé.
C'était très calme au début, c'est parti en couille à la fin, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des jeux que vous souhaitez que je fasse en vidéo. Et si vous voulez que je continue Brock Protocol, ok? Je vous fais des bisous, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée. Je sais toujours pas pourquoi je dis ça. C'était Psytrag. Bye bye. Wouhou!